Thank you.
Merci. Bonsoir tout le monde. Là, j'espère que le son, c'est pas... Merci. Merci. D'accord, là, je suis très heureux, franchement, de partager vraiment ce moment qui est magnifique. Donc, c'est une priorité pour moi aussi, franchement, de partager vraiment les mêmes idées, parce que là, on est dans le cadre de Fondation Ibrahima Diop. Donc là, pour moi, c'est l'aide humanitaire. Donc du coup, moi aussi, là, je suis fier d'être présent et franchement, de partager vraiment ces beaux moments. Voilà. Et puis, les premières parties que là, je vais vous faire, là, ça, tout ça, c'est une continuité de Mélodie Mandeng. Donc, parce que dans mon album, il y a l'histoire, c'est vrai. Donc, il y a l'actualité aussi qui est en train de se produire. Donc, c'est pour cela, il y a beaucoup de variations musicales. Donc, pour éviter la monotonie. Donc, le premier parcours que là, j'ai fait, donc, c'est entre les bémols. Donc là, je vais changer et plutôt le dièse. Voilà. Donc c'est pour cela que là, vous comprenez. Parce que nous, ben, si moi je dis, au lieu de dire, donc là, je dis en un seul mot, et tomora. Donc là, c'est les bémols et puis mélanger avec le dièse. Merci.
Thank you.
à ce morceau-là, il s'appelle Dembakunda. Donc Dembakunda, c'est le village natal de mon père. Donc il se trouve vers la Gambie. Bon, c'est les Mandingues, hein, parce que donc, moi, je suis... ma mère, elle est sénégalaise. Mon père, il vient du Gambie. Il s'installe au Mali, donc moi, je suis né là-bas. Voilà. Donc, c'est la zone Mandingue. Donc là, je peux dire, là, je suis multiculturel. Voilà. Donc, là, je fais ces morceaux et à ce village. Donc, mon père, il est né là-bas, donc paix à son âme. Donc, il s'appelle Dembakunda. Donc là, je fais l'hommage à ce village. Maintenant, là-bas, il y a une autre famille. Et de ce côté, il y a... toutes les maisons s'est cassées. Voilà. Donc là, je devrais partir là. Il y a mois de janvier, mais là, ils m'ont dit qu'il n'y a plus de maisons de mon grand-père. Voilà. Donc, là, c'est dommage, mais là, je fais ces morceaux pour ces petits villages. Parce que je crois qu'il y a 6 maisons. Donc, c'est un petit village, ouais. Voilà. Donc, moi, j'étais là-bas, j'avais à l'âge de 2 ans. Donc, là, j'ai 54 ans. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas passé. Donc, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, là, j'ai fait ce morceau. Ils m'ont donné une papa qui m'a confié vraiment cette lune sur moi, que j'ai en train de vécu. Et puis, là, j'ai en train de gagner ma vie. Il y a centaines de personnes derrière de moi que je m'occupe. Donc, là, j'ai fait ce truc pour lui récompenser. Voilà. Merci. Thank you.
Thank you.
Merci. Et je me profite de faire une autre balance aussi qui est dédiée à ma mère. Ben, en fait, je vous explique. Et ma mère, maintenant, elle a 84 ans. Mais à chaque fois, c'est elle qui choisit vraiment les calebasses pour moi. Voilà. Parce qu'il connaît bien la, et son père aussi, là, c'est un joueur de kora. Donc, là, son mari, c'est un joueur de kora. Donc, à l'époque, maintenant, on a des luthiers partout qui nous aident. Et à l'époque, là, c'est nos parents même qui fabriquent leurs instruments. Donc, comme c'est pas facile de tirer des poubes avec des cordes, donc ils étaient deux, donc sa femme aide pour la construction de son instrument. Donc, elle est très forte pour l'acoustique. Elle sait bien qu'il y a quelques calebasses là qui sonnent mieux. Donc, c'est pour cela qu'à chaque fois, quand j'ai pas beaucoup de chorales, là, je n'ai que trois avec la modernisation parce que si je loupe l'avion dans cet endroit, donc là, je peux prendre une autre. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas facile d'entretenir vraiment plusieurs à la fois. Parce que c'est quelque chose, c'est comme tout l'instrument, donc faut l'adopter. Donc, de lui comprendre quelle température, de lui donner l'affection que tu as. Tout. Voilà. Donc là, ça te répond très bien. Donc là, je fais ça. Et puis là, je me profite. Au nom de Fondation Ibrahima Diop, donc il y a une marraine, Marion Guetta, qui n'est pas ici. Donc là, je me profite. C'est membre donateur aussi. Donc c'est comme la maman de ces fondations. Voilà. Donc là, je me profite de lui donner cette belle mélodie que là, je fais aussi pour ma maman. Donc là, c'est la maman des fondations. Donc là, je me profite de faire ça. Et puis tous les donateurs aussi que vous êtes là, parce que tout ça, là, c'est l'aide. Donc moi, je l'encourage toujours. Quelque chose qui nous mettra à l'aise, parce qu'il y a... Il y a pas mal de réalités, mais si tu n'es pas sur place, là, tu ne peux pas comprendre. Donc moi, j'ai soutenu toujours vraiment les gens qui donnaient au secours au fond de leur cœur. Donc pour moi, c'est très important. Donc là, je l'encourage, mon frère aussi, Badou. Et franchement, ce n'est pas facile, hein, mais il faut être fort de caractère. Et puis, il faut être toujours à l'écoute. Et puis, là, je lui souhaite, il garde cette belle énergie. Merci.
Merci. Bon, là, je ne vais pas vous tenir trop longtemps. Oui. Là, c'est un grand plaisir, hein, parce que là, c'est des trucs aussi. Hein. Franchement, et puis sincèrement, là, j'ai en train de faire avec le cœur. Hein. Oui. C'est très bien. Merci. Pour une dernière balade, là, j'ai fait ce morceau à ma fille en 2012. Et puis, donc maintenant, il a 9 ans. Donc, 2012, là, je suis venu avec ma femme et en tournée sur l'Europe, parce que elles connaissent pas, ben elle n'est pas musicienne, bon, elles connaissent pas tout mon travail. Donc là, c'était là, et là je l'ai marié en 2011, donc là il est tombé enceinte en 2012. Donc du coup, ma fille, et là je l'ai fait venir ben, avec moi sur la France, et puis l'accouchement était prévu vraiment au Mali, soit c'est pas au Sénégal. Donc là, je dis, OK, après le tournée, là, je lui ai demandé, OK, il faut profiter bah, avec ton visa. Et puis bah, après, là, tu reviens. On n'est pas du tout. Donc pour moi, tout va bien. Donc l'enfant est venu prématurer en France, là-bas, 5 mois et demi. Donc elle pesait franchement 500 grammes. Donc c'était à la limite. Donc moi j'étais au Mali, ils m'ont appelé Monsieur Sissoko, il y a ta femme qui a. Mais j'ai dit non, là c'est pas le terme, parce que là j'étais. Bon, après là je leur demandais, il dit que oui, en sauvant la maman, donc l'enfant a tenu vraiment de rester dans ce monde avec nous. Donc du coup là j'ai fini mon album, il y avait une dernière morceau là, tout de suite là j'ai changé le nom qui s'appelait Maïmouna. Merci. Thank you.
Merci. Oui, ça fait plaisir, oui. Ouais. Bon. Une petite dernière parce que... C'est ça. Oui. Et en fait, moi, là, je suis... Là, je suis l'homme de la nuit. Ouais, dans la journée, là, je suis naze. Mais là, une petite, ok? Voilà, merci. Thank you.